بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم غادي ودائما أنا في إطار الخروج عن المحتوى المعتاد اللي هو الصفقات العمومية، ولكن اليوم غادي نحاول نطرق لواحد الحساب اللي كي ياخد يعني لا فورم دانتي سي لو كونت. هاد لو كونت في لا كونتابيليتي بوبليك il est constitué de deux éléments. Il y a le débit et le crédit. Pour l'entreprise, le débit, c'est ce qui entre. Tout ce qui entre à l'entreprise, il peut être inscrit dans le débit du compte, et tout ce qui sort de l'entreprise, il peut être inscrit dans le crédit de l'entreprise. Pour le compte bancaire, le débit, c'est l'ensemble d'argent retiré, et pour le crédit du compte bancaire, c'est de l'argent qui a fait son entrée dans votre compte bancaire. Donc le solde au niveau de la banque, ça peut être un solde débiteur comme ça peut être un solde créditeur. Un solde débiteur chez la banque, ça veut dire que vous n'avez plus d'argent sur votre compte bancaire, et un solde créditeur, ça veut dire que vous avez de l'argent dans votre banque. Mais ce qui va être présenté dans cette vidéo, c'est comment passer en écriture comptable une opération اللي من خلالها غادي نحاول نعطي واحد المثل، لان باش نعرفوا حتى لا كونتابيليتي اللي بازي سور دو برينسيپ كوم جي لي بريزونتي دون ان بريسيدون فيديو دون اون بريسيدونت فيديو سي كو لو كونت لا كونت باردون لا كونتابيليتي il est régi par deux principes, le principe de la partie double et le principe de la partie métuple. Mais aujourd'hui je vais me limiter uniquement à la partie double. Chaque opération a au moins deux écritures comptables. On va prendre l'exemple. Maintenant, le souci du comptable, la première chose qu'il fait, le comptable, c'est la constatation d'une facture, ou bien c'est la constatation d'une dépense qu'il essaie par la suite de traduire comptablement selon un plan, selon le plan comptable, selon le plan comptable général. Qui, à travers ce plan comptable, il va traduire cette opération et trouve son rattachement ou son imputation au titre d'un compte, soit qu'il s'agit d'une opération d'immobilisation, soit qu'il s'agit d'une opération de vente, soit qu'il s'agit d'une opération de caisse ou de banque, soit dans le cadre d'une opération d'achat, c'est-à-dire une opération de charge dans le compte charge. Donc la comptabilité, c'est à travers le plan comptable général qu'il essaye de traduire, le comptable essaye de traduire après avoir passé par la constatation de la pièce, la constatation de la dépense, il essaye de la traduire comptablement pour être inscrit soit dans le débit d'un compte, soit dans le crédit d'un compte. Ça dépend s'il s'agit d'une charge, s'il s'agit d'une dette, s'il s'agit d'une avance sur salaire, soit s'il s'agit d'un paiement par avance d'une charge, soit le paiement des honoraires, soit les paiements d'un véhicule, soit le paiement d'un matériel, qu'il soit un matériel outillage ou un matériel de transport. Donc la finalité du compte, c'est de traduire les opérations telles qu'elles se présentent au niveau de la comptabilité, au niveau du quotidien de l'entreprise, parce qu'il y a à côté la vie courante, les opérations courantes d'une entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la journée, et le comptable, il essaye de les traduire comptablement au fur et à mesure qu'ils se produisent. S'agissant des charges, il va toucher la classe 6. S'agissant des produits
de la vente ou des encaissements, c'est la classe 7. S'agissant des opérations de trésorerie, qu'il soit la banque ou la caisse, ou bien s'il s'agit d'une opération d'un achat d'immobilisation, c'est la classe 2. Mais généralement, le compte, c'est comme un compte qui est formé, qui a la forme de T, qui est formé de deux colonnes, c'est la colonne débit et la colonne crédit. Il essaye de traduire les opérations au fur et à mesure qu'elles se produisent et en même temps l'évolution, qu'il soit un solde débiteur ou bien un solde créditeur. Ceci étant dit, donc le compte, ça reste quand même un concept de base de la comptabilité générale. Et la vidéo d'aujourd'hui, il était dans ce sens, c'est pour faire connaître pour les gens qui s'initient à la comptabilité, c'est le premier contact avec la comptabilité, c'est quand même une vidéo d'initiation, de connaître un petit peu les différents concepts de base de la comptabilité générale. Et chaque fois qu'il est possible, je vais vous présenter d'autres concepts qui vont dans le même sens et qui vont dans le sens de la comptabilité ou bien la gestion d'économie d'entreprise à travers une comptabilité générale. فإلى هنا أكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله ومع موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.